Salut à tous, c'est Alizéa. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de rangement. Voilà, j'ai cherché un petit peu, je rangeais mes cartes, etc. Et je suis tombé sur cette petite boîte. Avec, comme vous pouvez le voir, un joli bordel. Donc, ce qu'on va faire là-dedans, c'est qu'on va trier les cartes par édition. Ça permettra de ranger ultérieurement ça dans les boîtes qui correspondent bien. Donc, on va renverser tout ceci. On va dégager la boîte et on va voir un petit peu pour ranger tout ça. Alors, déjà, des vieux trucs dans tous les sens. Des unco, des trucs. J'essaye de respecter quand même les cartes, hein. Voilà. Je pense pas qu'il y ait de cartes rares, mais sait-on jamais? Il y a du foil. J'essaie de ranger ça correctement. On a des petits tas un peu prédéfinis. Hop. On va essayer d'attraper. Et de pas faire en sorte qu'elle se tape entre elles trop fort, qu'elles s'abîment, même si avec le temps je pense qu'elles sont pas toutes fraîches ces petites cartes là. Il y a du M13 là, j'ai vu quoi d'autre? Il y a du Terros même là-dedans, l'ancienne Innistrad, Judgment, il y a un peu de tout. Il doit avoir une centaine de cartes, je pense, à peu près dedans. On essaye de les mettre dans le même sens. On aura toujours forcément qui ne le seront pas. Mais voilà, si jamais vous souhaitez ranger votre collection un peu de temps en temps, comme ça, sans forcément passer 3 ou 4 heures dessus, hein. Moi je le fais de temps en temps. Voilà, puis j'en profite, je fais des vidéos. Ça crée du contenu. Et puis ça peut peut-être vous inspirer pour le rangement de tout simplement votre collection. Donc pour moi, la première chose, c'est déjà de les mettre toutes dans le même sens. Et derrière, après, on va prendre des tas et on va les passer un par un. Et on va les du coup gérer par édition. On arrive à la fin déjà de ce rangement, de ce tas de cartes. Là, il ne reste plus grand chose qui traîne. Voilà, on a beaucoup moins besoin de galérer pour les ranger. Donc maintenant, deuxième étape, ça va être, il reste cette carte là, de gérer par symbole. Donc déjà, on est là-dessus. Dragon Maze, 9e, Innistrad, Tourmente, Judgment, M10. Je sais jamais, c'est la même chose entre les deux. Ouais, je crois. Hein. Ça a l'air d'être la même chose. Let's go. Innistrad, Tourmente, Tourmente, Dragon Maze. Dragon Maze ici aussi. 8e édition, putain. On sait que ça allait être du 9e, non, c'est du 8e. 13. Ça, je sais plus ce que c'est, Mirrodin. Voilà, édition connue. 13. Hop, on va récupérer ce petit tas. J'oublie l'édition pour la balance. Ça, c'est encore un, je crois que c'est un truc d'Innistrad aussi pendant la période. 9e. Hop. Bon, Odyssée. Odyssée, l'ancienne. Par contre, certaines sont dégueulasses. Non, dans une boîte rangée. Porteront
petit peu mieux. Theros. Wow. Theros aussi. Beaucoup plus récent. Il y a du vieux qui traîne avec du nouveau. 13, on a vu ça là-bas. 9e foil. C'est bizarre, c'est que. J'ai jamais fait gaffe, mais. On a une 9e édition en bord blanc et on a une 9e édition en bord noir. Je savais pas qu'il existait des 9e. Ah non, c'est une 8e. Mais bon, c'est pareil avec la 9e hein, qui est juste ici. Je savais pas qu'il y avait des 9e éditions bord noir et des 9e éditions bord blanc. Ou alors c'est juste parce qu'elle est foil. Peut-être que si on en trouve d'autres foils, on aura un bout de réponse. Où est mon paquet de cartes? J'ai fini? Ah non, ça devait être ça. Ouais, donc ça, c'est pareil, cette édition-là, c'est Obscure Ascension, je crois. Ok, et ça, c'est là. Bien. Là, on a d'autres 9e éditions, mais c'est bord blanc. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ça, c'est... J'ai pas déjà le truc. Enfin, je pense que je n'ai pas 50 millions, ça va dégager. Commençons à faire un peu de place. Alors. Ok, 9e. Ça, c'est où ça? Ah, si, elle était là. Voilà. Charme d'Azorius. Ah, voilà. Odyssée. Danse feuille, traversée des forêts. Odyssée. Donc, ça, c'est là, on a dit. C'est ici, ça c'est là. Ça, c'est l'autre édition chelou là. Bien. C'est le foutu. Allez, ah voilà. Pareil. De... Ah, le petit louveteau. Une 1-1 pour 1 survivance. Quand elle meurt, elle revient sur le champ de bataille avec un marqueur plus en puissance si elle en avait pas. Je trouvais ça tellement fort. C'est toujours fort d'ailleurs. Tourment. C'est où le petit. Est-ce que je. Ah, c'est bon. Oh. Je crois qu'il y en a du 12 aussi. Hero Spoil. Des créatures pour un vert, elle acquiert le piétinement. Et... Le tigre fantomatique, j'aimais bien ça, le tigre fantomatique. Le nichoba fantomatique fait partie de mes cartes préférées. Ah, le faucon mordoré, une 1-1 pour 1. Maintenant, on a des trucs en standard, une 1-2 initiative, vol pour 1. 9e édition, toujours à bord blanc, Odyssée. Ours garou. On a le ça, gagne +3/+3. Le chat de feu pardique, pareil. Explosion vitale, salve. Ah, l'Innistrad, beast. Transform all humans. Prevent all damage that will be dealt with turn by creature other than werewolf and wolves. Pas mal ça. Surtout en ce temps actuellement. Avec la sortie d'Innistrad. Qu'est-ce qu'on a? Ours garou. Le singe arboricole, donc là on est sur la 9e. Toujours pas de foil. Que du 9e. Ok, Odyssée. 9e. Le vêtement doré. 9e, 9e. Pas mal de 9e. Hein. On voit grosso modo les époques où j'ai le plus joué. Donc on a 9e édition. Hein. Pour le moment, en tout cas sur cette boîte là. 9e édition. Là je crois que c'est Dragon Maze. Et après, on a justement du. Je crois que c'est du Mirodin, ça. Cette époque-là. Ok, un petit terrain foil. Theros. Obscure Ascension. Pareil, pareil. Karn. Qu'est-ce que ça fout là ouais. Griffe de Brimbois. Pas de blessure à chaque créature avec le vol et à chaque joueur, recyclage pour 2. Bon, après, ça coûte 4 quand même.
Pas mal. Donc ça c'est là aussi. Ça c'est là aussi. Ça c'est Dark Ascension. Même chose. Symbole ça. Ça y ressemble, mais pas tout à fait. Quoi. Sur quoi 2012. 65 sur 158. Comme par hasard, j'arrive pas à lire le numéro sur du rouge. On va voir ça. 158 et 158. 93-2002. Ah si, c'est de la même date. Ah ok, d'accord. Bah, et ça, du coup. Comme c'est illisible, 158, 2012, c'est le même symbole, donc c'est juste qu'il est... Ok, bon bah, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Alors, continuer du coup à ranger ceci. Du 12, j'ai pas de M12, ok, Innistrad. Non, c'est Avacyn, pardon. C'est Carnage, la petite tête de genre de dinosaure. 13, c'est là-bas. Judgment. C'est où? Je sais que j'en ai high là. Bien. Mets-toi bien. Alors, 9ème édition. Ah, encore une 9ème édition. Donc, ça a l'air de confirmer que les foils 9ème édition sont à bord noir. Particulier, j'avais honnêtement jamais fait attention à ça. Ou alors j'ai fait attention à un moment donné puis j'ai oublié. Puis là du coup ça me revient dessus. Chevalière Ravnica. Où est-ce que je l'ai mis Ravnica? Ravnica, t'es où? Non, ah il est juste devant moi. 9ème édition. Et 9ème. On a dit que c'était par là-bas, c'était dans le fond là-bas. Défrichement Crozian. Le joueur ciblé mélange dans sa bibliothèque jusqu'à deux cartes ciblées de son cimetière avec le flashback. Ok. Allez, là on est. Lutheros, récent. Édition inconnue. La carte qui est abîmée comme si j'avais roulé dessus. Édition inconnue. Je sais même pas si j'ai ça quelque part dans une boîte. Terros. Ok. Terros encore une fois. M11. Non. Terros. Franchement, ils sont stylés les foils de Terros. Encore une fois, Terros. M13. Ouais, c'est ça, M13. Et ok. Et donc il reste encore tout ce paquet de cartes là. Ok, Judgment, c'était là-bas. M12. À l'envers, très bien. On va retourner ça. Ça c'est là-bas. Ça c'est là. Voilà, donc organisez vos cartes, prenez des petits tas de cartes. J'en ai encore d'autres d'ailleurs. Qui vont me permettre justement de d'organiser après pour continuer, bien entendu, parce que c'est pas le tout de séparer les cartes, c'est aussi de les ranger dans des boîtes, et donc dans des boîtes par couleur, enfin par édition. En tout cas, moi c'est ce que je fais par édition, bloc, comme ça existait auparavant, mais du coup ça n'existe plus, par bloc, par année, vous voyez un peu ce que vous préférez comme organisation. Personnellement, moi c'est par bloc quand c'est possible, sinon après si j'ai des trous, c'est la même chose ça. Ah, des fois les éditions, les items de les éditions, les petites icônes d'édition se ressemblent énormément et donc du coup ça induit en erreur. Ça c'est
Innistrad, c'est là. Enfin, je vais arrêter avec Innistrad, moi. Ravnica. Hop. Oh, on va essayer de mettre un peu de choses au clair là-dedans. C'est dégueulasse, celle-là. Elle est toute récente, hein. Je sais pas si vous allez voir, mais ici, là, il y a un. Je vais vous montrer après. Peut-être qu'on verra. Il y a des vieux traits. Bah, ici, là, on le voit, là, juste là. Il y a un vieux trait tout dégueulasse qui part d'en haut et qui traverse toute la carte. C'est des traces dégueulasses sur les cartes foil. Je crois qu'elles ont toutes plus ou moins ce défaut. Le trace du rouleau. C'est dommage d'arriver avec des cartes foil et qui ont justement tout un défaut. Cela, ça a pas trop l'air d'être le cas. Quelques-unes ont des défauts. Elles ont l'air d'aller sauf la première que je vous ai montrée. Sauf celle-là qui a clairement en fait des. Mais en plus on voit pas le principal, mais il y en a un qui est tout au milieu. C'est comme ça, on peut le voir. Bref. Donc oui, le fait de réorganiser tout ça derrière par édition, par année. Vous voyez un peu ce que vous. Putain, 7e édition, mon pion, la vache. Ça permet justement de faciliter le rangement. Après, sans forcément vouloir retrouver des cartes. Hein. Moi je joue pas papier, donc c'est juste de la collection. Donc je garde ce que j'ai récupéré. Mais grosso modo, oui, derrière, en fait, c'est pour faciliter le rangement, la réorganisation. Ah non, je pensais que j'avais fini, mais là, il me reste encore ce tas de cartes-là. Donc, à vous de voir. Moi, c'est ma manière de faire, et je trouve que c'est le plus simple. M10. Est-ce qu'il y a un M10 ici? Levez la main. Bon, bah. Il y a M11, mais. Alors, ça, c'est pas la même chose que l'autre. Donc, celui-là, il est là-bas. Ça, il est là-bas. Ça aussi. Stylé, quand même, l'illustration. Tranchant. Il y a de belles illustrations. C'est là-bas. Putain, j'en ai pas mal de. Qu'est-ce qu'on a là? Ravnica. C'est juste à côté, c'est là. Je vous montre pas, mais grosso modo, ça va. Ce que vous voyez affiché à l'écran, c'est l'équivalent de ce qui se trouve encore à côté en termes d'édition. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aussi, il y avait un M10 là. Donc, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Voilà, il y a 21 éditions différentes sur la table. Et c'est point fini. Ok, pareil, sûr. Et. Rose. On voit vraiment les moments où j'ai investi dans Magic. Enfin, investi. J'ai dépensé de l'argent dans Magic. Et quel moment où. Oh, magnifique cette carte. Petite tête de mort là. Cette illustration. Enfin, je vais vous montrer un petit peu mieux. Vous puissiez apprécier cette jolie petite carte. La tête de mort dorée et tout là. Stylé. Alors, du coup, ça rentre là. On a bientôt fini. Voilà, la bassine. Pause. Immerloup. 2-2 pour 2 intimidation. Les autres logos que vous contrôlez gagnent plus 1, plus 1.
Pareil, un petit lord loup, loup-garou. L'obscure ascension, ouais, c'est ça. Ah, bloc carne. Ah, ouais, si, il y en a des petites araignées. Ça aussi, c'était dans le même bloc. Enfin, dans le, plus ou moins le, la même période. Théros, Théros, Théros. Il y a eu un semblant de rangement au vu de comment faire les cartes 9ème édition. Chipsé. Bord noir. Pareil, 9ème édition. Bord noir. Chipsé. Odyssée. Odyssée, Odyssée. Où est-ce que j'ai... Ah, ils étaient partout là-bas, les Odyssées. On va les mettre là. 9ème. On arrive à la fin. C'est là-bas, M13, M13, et, ah, attends, et donc, tout ceci finira dans, alors, ça va finir rangé, je vais lui faire un peu de place parce que, sinon ça va pas passer et j'ai pas envie d'écraser forcément mes cartes. Du coup on fera ça dans une autre vidéo, mais l'idée c'est que tout ceci, une fois comme ça séparé etc, ça termine dans ce genre de boîte de rangement. J'espère que ça va... j'espère que c'est suffisant en place, dans ce genre de boîte. On peut là. Bon, ça écrase un peu les cartes. C'est ultra lourd parce que c'est blindé. Je vais écarter ça pour centrer un peu mieux. Mais grosso modo, voilà, c'était une des boîtes officielles. Voilà, Magic. Et donc là, comme vous pouvez le voir, on est sur le bloc. Bah, du coup, Alara, Zendikar, Lorwind, Sombreland. Donc voilà. Et derrière. Donc les petits rangements, on peut voir que voilà, différentes éditions par couleur, des petits colors, des artefacts, les Zendikar. Voilà, donc il y a un peu de tout. Voilà, Alara. Alara, que comme vous pouvez le voir, c'est tout ça, Alara. Là. Tout ça, cette partie du milieu, c'est Alara. Ici, on a un peu de... toutes les trucs sont gagnés, etc. Là, on a genre pas beaucoup de. Ouais. En fait, on est sombre lent, je crois, c'est ça. Et ici, on a une toute petite partie de Zendikar. J'ai dû quelques boosters vite fait. On a l'époque de Zendikar, et puis voilà. Donc, non, et donc l'idée, c'est que bah, ça rentre dans une des boîtes que j'ai. J'en ai 2, 4, 5. Avec plusieurs... Je sais quoi là-dedans, d'ailleurs. Il y a des cartes là-dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'ai des decks ici aussi. Ok, d'accord. Bref. Oh putain, je redécouvre des cartes, quoi. C'est quoi, ça? Humain, blanc-bleu. Un zo. Putain, je m'étais fait un deck zo. Et là, on a un deck mien. Waouh. Je pensais que j'avais vu... Je redécouvre des choses. Bref. Ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà, je pense faire des petites vidéos de rangement de temps en temps. Chill, posé, histoire que voilà. Un, ça fasse du contenu. Et puis deux, peut-être que ça vous inspire pour du rangement aussi de votre côté. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo de rangement. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous appréciez le contenu que je vous propose. Moi sur ce, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.